Tchuss de monsieur, voilà. Bienvenue à Saint-Martin-en-Campagne. On est dans le département 76 en direction de Dieppe. Et aujourd'hui à Saint-Martin-en-Campagne, il y a une brocante. Donc on va la découvrir ensemble. C'est parti, c'est pour vous. Voilà, Rival commence ici la brocante. Donc on va découvrir ensemble. Elle est pas mal. Oh, puis il y a les motards. Ludique avec nous. Alors on va voir ensemble ce qu'on peut découvrir à la brocante de Saint-Martin en campagne. Alors là, mon premier achat sur la brocante, le coffret de la trilogie de taxi, il me semble qu'ils en ont sorti un quatrième. Ben, ça c'est vendu 5€, c'est pour moi. Ce qu'on trouve pas mal sur les brocantes, c'est tous les objets cuivres comme ça. Sur toutes les brocantes qu'on fasse, à chaque fois il y en a plein. Il y a des bons prix parfois. Hein. Là on a une super toile de Michael Jackson, c'était fait main, regardez, la vente 5€. Et c'est signé. C'est chouette. Je sais qu'on est seulement qu'au mois d'août, mais pensez à Noël, venez sur les brocantes. Pour moi, c'est bon pour la planète parce qu'on recycle. Là, je suis sur un stand où ils vendent une panoplie police de Playmobil. Et la panoplie complète que vous avez là, vous la touchez à 80€ sur la brocante. Et regardez, c'est pas abîmé, c'est propre. Et dans le commerce, la même panoplie comme ça, vous la touchez à 150 facile. Vous voyez, c'est Playmobil. Là, sur ce stand-là, vous avez énormément de pins Coca-Cola pour les collectionneurs. Voilà ce que vous trouvez sur les brocantes. Alors j'essaie de me renseigner pour savoir à quel prix ils les vendent ceux-là. Je suis curieux. J'ai trouvé la réponse, c'est 50 centimes l'unité. Voilà, vous savez. Là, je suis sur un intégral des Buffy contre les vampires. Je le sais pourquoi, parce que je l'ai à la maison. Et là, ils vendent l'intégral, regardez, 60€. Et je peux vous garantir que c'est pas cher, parce que pour l'avoir, c'était chez le marchand de journaux. Et c'est en moyenne de 10€ le DVD. Et très clairement, il y en a 39 et il y a même le film Buffy. Voilà, franchement, là, elle est pas chère. Il n'y a pas photo. Voilà ce qu'on trouve sur les brocantes. Vous savez que souvent, sur les brocantes, on trouve des vêtements de bébé. J'incite même les mamans à venir sur les brocantes. Mais exposer de cette manière-là, c'est la première fois pour moi. Je vais vous le montrer. Regardez. 18 mois, garçon. Et c'est directement dedans, vous regardez. 6 à 8 ans. T'as vu, c'est génial. Franchement, il fallait y penser. Pourquoi pas, c'est pas mal, l'idée est bonne. Là, je suis sur un stand où ils vendent une friteuse qui est multifonction. Donc, dans le commerce, la dame m'expliquait que ça vaut 170€. Donc, qu'est-ce que vous entendez par multifonction? Elle fait friteuse et elle fait mijoteuse. Et vous pouvez cuire le poisson aussi. D'accord. Et la dame à l'avant, bah, vous allez être étonné, 30€. Elle n'a pas servi beaucoup, à mon avis, celle-là. Jamais. Jamais servi en plus. Voilà l'exemple de ce que vous pouvez trouver sur des brocantes. Donc les petits jeunes qui se mettent en ménage, n'allez pas dans les commerces, en plus recycler, c'est bon pour la planète. Venez sur les brocantes acheter, franchement. Et en fait, vous faites un bénéfice pour votre portefeuille, et c'est pour votre portefeuille que vous faites un bénéfice, pas pour les commerçants. Là, il y a un CD, un DVD de métal. Regardez ça. Metallica. Et c'est la bio, en fait, c'est le film, ils racontent leur histoire. Alors Metallica, je sais que j'ai un pote, hein, GG, tu vas te reconnaître, évidemment, c'est à moi, mais je vais te prêter le DVD, y a pas de problème, tu vas pouvoir le regarder. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour moi, ça, c'est vendu. C'est génial, c'est top. Il dit, allez, ça. Alors, je fais le tour depuis tout à l'heure, mais alors la brocante, elle est super grande. Là, je vous montre. Clairement, il y en a partout. Bon, on va rejoindre Natacha, elle est devant. Elle est juste là-bas. On vous entend, là, c'est pas, mais on vous voit pas. Je suis grillé. Alors. Il y a des gens super sympas. Le monsieur, ils vend un coffret de L'Arme Fatale. Il y a 4 DVD, regardez. Il le vend 2€. Ça défie toute concurrence. Bah écoutez, moi, c'est vendu.
Moi, ce prix-là, j'achète. C'est clair. Donc, je viens d'acheter le coffret, celui-ci. Par contre, j'ai donné 3 euros, monsieur. Faut pas exagérer parce que 2 euros, c'est donné. Les DVD sont nickel. Là, j'ai perdu Natacha en route. Je vais essayer de la retrouver. Par contre, alors, la brocante de Saint-Martin-en-Campagne, elle est immense. C'est vraiment immense. Bon, allez, on continue la balade. Et on va essayer de trouver madame. Là, je viens de tomber sur des lunettes de ski. Le monsieur me les vend 2 euros, je vais lui acheter évidemment parce que c'est intéressant en randonnée quand on va à la montagne. Et on les touche à combien en commerce et comme ça? Je sais plus. C'est une vingtaine d'euros facile, hein, oui, je pense. Ouais. Largement. Hein. Voilà ce qu'on trouve sur les brocantes. Merci monsieur. Là, je suis tombé sur un stand, donc il y a une dame que je filmerai pas par respect parce qu'elle ne veut pas. Donc elle fait des petites pâtisseries dont tout est fait maison. Elle a lancé un compte Instagram, donc elle n'a pas encore de carte, donc elle va vous l'expliquer verbalement. Donc on revient sur les pâtisseries. Bonjour madame, expliquez-moi votre compte Instagram et ce que vous faites. Donc c'est des pâtisseries orientales. D'accord. On fait un petit peu de traditionnel comme les donuts. Voilà. D'accord. Et votre compte Instagram, dites-nous tout. Donc c'est Anna Cooking, donc A2NA, un espace COOKING. G apostrophe S. D'accord. Voilà. Et vous livrez les gens dans un rayon, j'imagine, vous êtes de où? Nous, on est d'Amiens, mais après, on est pas mal sur Mers, le Tréport, eux, tout ça. Donc, on peut livrer entre Amiens et Mers, en fait. D'accord, voilà. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ouais, c'est moi qui vous remercie. C'est normal, ma chaîne, elle est faite pour ça. Beaucoup, là, il y a une super moto. Ah, je vous laisse regarder. C'est une 175 SV. Elle est de 1900. Combien vous m'avez dit, madame? 36 celle-ci? 56. Autant pour moi, je sors des bêtises comme à mon habitude. Regardez comment on est magnifique. Et elle tourne encore, le monsieur l'a fait tourner. Tout à l'heure, elle a fait tourner sans problème. Elle est vraiment belle. Hein. Waouh. Quand c'est noyé, il suffit de sécher, de gratter un peu. Mais franchement, monsieur, voilà la honte, parce que il suffit bien de regarder, c'est marqué ici. Oui. La honte, on peut se moquer. Elle est vraiment belle. Elle est très très belle. Merci madame. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai été heureux de vous emmener, vous balader du côté de Saint-Martin en campagne. Donc un joli petit village, je vous conseille de venir y faire un tour. Donc tous de monsieur voilà, à plus pour une future vidéo, Dieu seul sait où elle nous mènera. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, salut. Et ça se passe par là.